J'ai mis au cabaret, je suis le président de la Ligue des consommateurs de services au Congo Kinshasa. Je suis le rapporteur du bureau de coordination d'artistes civils du site Kiv. Qu'est-ce qui a motivé votre site au niveau de la Ligue? En fait, ici, il s'agit de la colère des habitants de Ngouba, qui est une colère compréhensible parce qu'on ne peut pas quand même faire des mois et des mois sans l'eau au robinet. Et vous savez que la vie, c'est de l'eau. Et c'est comme ça, nous, en tant que société civile, vous avez vu les présidents, nous tous, et moi-même, comme Ligue des consommateurs et les autres, accompagner les habitants de Ngouba pour venir réclamer ses droits. Mais un message clair par rapport à ceci. Nous, ce que nous demandons, nous voudrions que la gouvernance soit améliorée dans les secteurs. Parce que la Régie des eaux que nous voyons, c'est une société de l'État. Donc, les répondants numéro un de la fourniture de l'eau en RD Congo par la Régie des eaux, c'est le président de la République démocratique du Congo. Et nous voudrions qu'à son niveau, il puisse instruire le gouvernement pour qu'on puisse débloquer des moyens conséquents. Parce que c'est vraiment anormal et c'est même criminel que les gens puissent manquer de l'eau. Et vous savez quelles sont les conséquences lorsqu'on n'a pas de l'eau. Mais aussi, nous n'allons pas dédouaner les ZTD. Parce qu'aujourd'hui, comme la commune d'Ibanda, la commune de Kadou, Toumeri, ils peuvent aussi mobiliser des fonds, n'est-ce pas, pour investir dans les secteurs et donner de l'eau aux habitants. Mais aussi une occasion pour dire aux opérateurs économiques du site Kivu de pouvoir aussi être regardants. Il ne faut pas prendre des millions et les laisser dans des maisons. Il faut investir dans les secteurs parce que la loi aujourd'hui l'autorise. Et lorsqu'il y a une concurrence, ces gens vont revenir sur la raison. Et ils vont faire le travail comme il faut. Voilà en fait les messages que nous pouvons donner par rapport à ça. Et quelle assurance vous avez reçue de la part de la Régie des eaux? Alors en fait, le directeur il s'est exprimé, il dit qu'il y a des pièces qui sont tombées en panne au niveau de la pompe électrique là-bas et qu'ils sont en train de chercher ces pièces pour pouvoir encore faire fonctionner la machine. Mais nous, ce qui nous importe, c'est l'obligation des résidents. Donc nous voulons que l'eau soit sur les robinets. Et si l'eau ne coule pas sur les robinets, donc les habitants ne vont pas croiser les bras, ils vont continuer à revendiquer comme un seul homme jusqu'à ce que nous ayons de l'eau. Mais aussi que nous tous, comme habitants du site Kivu de Bukavu, nous puissions organiser un dialogue autour de cette problématique. Parce qu'il est temps que nous-mêmes, nous puissions aussi envisager des solutions locales aux problèmes locaux qui se posent. Parce que nous risquons de rêver peut-être longtemps et croire que voilà, la solution viendra de X ou Y. Mais si nous-mêmes également nous nous mobilisons, ça sera une très bonne chose. Et c'est dommage aussi que les habitants de Ngouma, tous en principe, ils devaient être là. Tous les ménages, tous les papas, les mamans et les enfants, tout le monde devrait être là avec des bidons ici. Merci. Apa, si, tulikia kusindikiza wandugu wa Ngouma. Kwani unajua wanapiga kelele kila leo juu wanakosewa na maji. Ukiingia sai kurobine Nguva hakuna maji na ile inakuwa miezi ya kutosha. Na inatatiza raia ya Nguva. Na njoo kisi wote walikuja hapa na sisi sasa vile ligi ya watumiaji, societe civile tulikuja pia kuwasindikiza mahali hapa. Ili watu waangalie wafanye namna gani na waombe Régie des eaux aheshimu haki ya watumiaji, awapatie maji kule Ngouba. Juu anasema kama kuna kuwa mapiese zinaharibika, wafanye nguvu yote ile mapiese zionekane. Lakini pia kutokana na hiyo kukosewa na maji, inaonekana kama mkubwa wa nchi, rais, anapaswa pia jitokeza. Kwani Régie des eaux ni entreprise ya l'État. Unasikia? Na gouvernement inapaswa kushimama kwenyiko. Kama watu wanakosewa na maji hata siku moja, inapaswa shimama na inapana mamwae zote necessaire pour que vitu viendeke vizuri. Pia tunaomba Régie des eaux ikuwe décentralisée mu gestion yayo. Pour que directeur afanye dépenses fulani, ifo mpaka directeur général Kinshasa ndio amautorize. Hapana, bafanye pia décentralisation ku niveau ya Régie des eaux. Pia aussi tunaomba wafanya biashara ya kwetu na Goma hapa wanaanza endelea deja. Unaona sinele Goma hafete na fiere. Juku nakuwa deja masosiete fulani fulani zi, pia nazo zinapana moto. Sasa na tunapenda pia hapa wafanya biashara. Wasikuwe tu wanakamata mamilioni zao wanaziweka mamilonge manyumba. Hapana, ni za kufanya kazi na watajiretruve mkazi yu watafanya. Juu sekta ya maji kabisa kufuatana na sheria,
kila mtu deja tuza jitokeza leo anasinye mapapie na leta na nagabula maji. Qui était en place parce que les peuples qui ont créé des problèmes, on ne sait pas les projets. Pour ceux-là qui sont jamais déplacés de Bukavu, je leur ai dit qu'il y a une ville au Congo qui présente le même relief que Bukavu, c'est la ville de Matadi. Nous avons posé le problème à Matadi s'il avait le même temple qui présentait les caractéristiques de nos pompes qui sont en panne, malheureusement, on n'est pas prêt. Le directeur a déjà parlé. Si inakuina ile tio inatokea sa bana sukuma maji. Jobu siku ndio pressure inakuwa mingi. Bato vingi hawakonsome maji. Sasa ile maji na vimba. Kisha vimba mule mutio inatafuta njia kwa itapitia. Sasa ikakuta nafasi kwa kuko teketeke na juu inatokea pa. Ni shida moyo wa nguvu sana. Juu ile tio kama hii tio kabambi. Tunaona hapa hii nyumba wanaijengea. Pasuka ile busiku. Ile busiku itatia maafa ya mingi sana. Na watu wanaweza fariki. Juu ni tio iko na mai ya mingi. Tio iko na presio ya mingi. Hii tio haizi fanya hata 3 minuti. Hii nani nyumba. Haizi fanya 3 minuti. Yote utajuliza kama hapo kulikuwa nyumba. Juu inakuwa na maji na nguvu sana. Ikipasuka pale. Naaza hakuna kitu wanaweza tosha mnyumba. Na watu na vitu yote. Mimi nilikuwa na wasiwasi ya sana. Na mimi nilikuwa na laumu Regideso parce que na mimi niko victime ile carence ya mai. Mais kwa leo sur terrain na jiona mimi peke hali ya hapa kumai. Nikwambia wakaji pole na kwambia Regideso pole. Tuwe na moyo wa subira na tuevite ma intoxication. Regideso ni mchuruzi. Iko na besoin kuchuruza mai. Dere kwanza injo anaomba wa kwanza. Parce qu'il on a besoin. Hii entité kwa nyona mungizia ka franka sana ya mai. Hana intera kubloke maiku wakaji. Na tunakutana ekipe kwa surterre na mapiezi natuka uvira kia kutumika hapa. Tuvumilele muda kidogo Regideso imalize kutengeneza tupate maya mzuri. Donc tuinvite kuitika maintoxikasyon za batu kuprofite dosi ya Regideso. Nikusema tunambia Regideso kuraze kukazi miko wanafanya. Mi wakaji wajikaze kufumilele imuda kidogo. Waivite kufanya maintoxikasyon. Na isi mnyaluke mba ila njoo mara kwanza mina kia visite station. Nikuwa naweka ni ntiwa kidogo, mina kutuwa ni stasio kabambi. Donc tujikaze kufumilia, ima pezi zinafika, basi instale kwa utaratibu, utapata maji. Tuko hapa depuis le 29 décembre. Juu ya kutafuta solution, tant soit peu, batu wapate maji. Munakuya na hiki kinakufa, munakuya na kile kinakufa, munakuya na hiki kinakufa. Mais le grand problème ni nini? Ima machine 10 ans après, maru iko ndani yote nesha kufa. Ile ko pale. Ndio machine gani? Group machine gani? Groupe motopompe. Groupe motuko toujours à pied d'œuvre de manière de trouver solution au problème ya nguba. D'ailleurs, na mieleza que c'est depuis le 29 tout quoi pas. Na tu atelier tout population, on se bat pour que tu trouves solution. Ibi biote biko hapa ni bia kutupa. Mais tu n'as qu'à na ile tu n'as tafta quoi adapter déjà matin. Allons nous musama pour population.